Salutations distinguées, c'est Arthurs. Ah, et aujourd'hui on se trouve pour un nouvel épisode de Arc. Après beaucoup trop de jours sans regarder Arc, etc. Je peux enfin revenir dessus. Nous pouvons d'ailleurs enfin revenir dessus. Ouais. Après ce magnifique confinement. On se retrouve sur nos dinos. On a plutôt avancé en vérité depuis l'épisode 14. On a fait pas mal de choses, notamment au niveau de la maison. On a capturé plusieurs dinos. On a beaucoup farmé d'ailleurs. On a farmé beaucoup de mines de matériaux. Que ce soit du bois ou que ce soit plein d'autres matériaux, genre importants, du verre par exemple. On a agrandi la maison, on l'a pas vraiment fini. Là d'ailleurs, il y a un tout petit spoil en haut à droite. Et bon, du coup, en haut à gauche. Et du coup, en ce moment, il y a eu un petit bug sur Arc. En gros, en fait, fallait qu'on remette tous nos niveaux. On était niveau 40 et 45. Il y a encore un petit bug, on peut voir les ombres Et ça, c'est bizarre, mais bon, en vrai, ça va, sur l'écran, on ça se voit voit pas les ombres. trop. Donc, on va dire que c'est bon. Donc là, moi je vais descendre de mon dino. Et là, déjà ici, il y a la porte Behemoth. Ça, je crois qu'elle n'était pas la dernière fois dans l'épisode 14. Non, elle était Et pas. maintenant, on va se tourner vers la maison. Donc on l'a enfin à peu près fini. Là, on va carrément aller à l'intérieur. Donc, déjà, maintenant, si j'arrive bien à rentrer, on peut voir deux nouvelles créatures. Deux petits dinos là. Enfin, même si C'est pas celui-là, il du n'est pas tout des nouveau. nouvelles créatures. Oui, mais lui, il est nouveau. Donc, Roberte, Madame Roberte qui fait des saltos, c'est génial. Et maintenant, on a des fenêtres, on a enfin des fenêtres, Il manque encore quelques on va arrêter étages. de se casser la bouche quand on descend des escaliers. Donc, du coup, en parlant des escaliers, maintenant, on a fini ça, on a fait une petite bibliothèque, et on a mis une échelle, donc pour pouvoir monter, du coup, dans le grenier perdu, on va dire. Et si tu veux, je te laisse monter. Bon, alors c'est pas très grand, mais en vrai, peut-être qu'on mettra du stockage dedans. Ouais, sûrement, sûrement. Faudra qu'on voit. Après, ici, du coup, faut qu'on finisse les fenêtres. Mais je suis contente en vrai de la baie vitrée que ça donne, c'est stylé. Et maintenant, ça nous évitera de mourir. Donc, du coup, Même si on peut très clairement faire comme ça. je vais regarder un petit peu dans les armoires ce qu'on a. Alors, ah si, c'est bon, elles sont là. Ah oui, attends, dans mon inventaire. Oh non, j'ai déjà de la viande pourrie dans mon inventaire. Oh non, mais Bon, alors, on a tout le Mais temps faim. sinon, on sait plus si dans l'épisode 14, on avait ce raptor. Ah oui, du coup, il y a des nouveaux arrivants dans l'équipe, peut-être. Donc, on a un nouveau raptor. Juste ici, merci. Donc, on a Cookie. Monsieur ou Madame Cookie, je crois que c'est Madame. Ouais, c'est madame. Donc, alors, c'est... avec l'autre raptor, d'ailleurs, je vais ramener l'autre raptor, je pense. Donc, c'est un couple de... Je crois un couple de raptors ou une meute, je sais plus. Non, c'est deux femelles. Ah, ok, c'est deux femelles, donc c'est une meute. Et donc, du coup, maintenant, on a je sais pas combien de dinos, on doit en avoir plus de 10, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Bravo, tu sais compter, mec. Ouais, je sais. Et donc, du coup, bon, maintenant, on a une belle équipe. Alors, aujourd'hui, dans cet épisode 15, faut qu'on regarde le planning de ce qu'on va faire. Je pense déjà ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être essayer de finir la maison, au moins. Puis peut-être chasser, si Ouais, jamais on pourquoi y pas, arrive. comme l'épisode 5 ou Peut-être aller 6. chercher des ressources et puis bah après on verra du coup ce qu'on fera. Bon alors du coup on a décidé qu'on allait chasser avec nos deux petits raptors et peut-être, je dis bien si on en trouve, d'essayer de tamer un carnot. Ça nous ferait extrêmement plaisir mais déjà faut qu'on en trouve et faut qu'on ne soit plus trop des boulets pour pouvoir essayer au moins d'en assommer un. Donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va partir du coup en exploration vers un T'es biome un sûr peu plus d'aller grand. vers le biome Redwood? Ouais, après Là où on il y a des disait T-Rex alpha et tout. que chez nous c'était bien et que non bon bref et du coup d'ailleurs on vous avait dit qu'on avait farmé. Sauf que finalement on nous dit bon bah alors du coup je pense qu'on va aller chasser avec un pistolet à silex ou un truc comme ça et on fait oh il faut 80 de métal. Oh, c'est un petit peu cher quand même. Et puis on dit On bon a bah plus ça de va, 20. il doit nous rester du métal alors dans nos coffres. Finalement, qu'est-ce qu'on s'en rend compte? On a même plus de lingots de métal. On a farmé plein de trucs, vraiment, je vous jure, hein. Mais par contre, on n'a plus de lingots de métal. Et c'est vraiment relou parce que, genre, en fait, on en a C'est le truc besoin. le plus utile, Si quoi. jamais, juste, on doit se refaire une pioche, une hache, une épée. Bon, alors, du coup, je pense qu'on va prendre El Famoso Pablito, là, le bateau. Et puis, du coup, on va vous ellipser un petit peu le trajet pour pas que ce soit trop long non plus. Allez, à toutes. La vue est si magnifique, mais pourtant si dégueulasse, on voit rien et c'est buggé. Mais bon, on adore en vrai ce jeu. Oh, y attends! Est-ce qu'on peut le récupérer ça? C'est vert. Ouais, mais c'est justement c'est niveau 15 et c'est pas terrible les niveaux 15. Ah, c'est la tuile. Ouais. Bon alors, maintenant qu'on est arrivé sur l'île,
Tu veux me faire le plaisir? Ouh, attends. Bah déjà, écoute, première cible. Oh non, mais... On l'a bien aimé. Voilà, merci petit beurre. Bonjour. Je suis Olivier de chez Airglass. Allez, viens là. J'ai presque plus d'énergie. T'inquiète, ça va le faire. Gnac. Oh, ouais. Comment je l'ai fini? Je lui ai sauté dessus. GG, bro. Moi, je pense qu'on va peut-être faire une ellipse le temps que le jour arrive. Ouais, je pensais bien qu'on repère peut-être des dinos. On vous reprend juste après. Allez, encore une autre proie, même si on n'est pas devant Carnot. Là, la double. On est avec... J'ai plus d'énergie. J'arrive. Là, on est avec deux petits dinosaures. Vas-y. Nice. Bon, ils étaient niveau 2 et 4, hein. C'est pas glorieux. Mais maintenant, je pense qu'on va essayer de trouver soit un raptor... Attention, il y a un raptor derrière toi. Vite. Ah, mais c'est vrai, en plus. Ah, mais ils sont deux. Viens. J'arrive. Nice. C'est bien, ça. Oui. Bouh. Oh, comment on les a démontés. On est les meilleurs, je vous le dis. C'est ridicule, sur stuff. En plus, juste avant, j'avais dit... Peut-être on essaye de trouver un raptor. Bah là, deux raptors pour le prix d'un. Franchement, la chasse commence bien. Par contre, j'ai peur qu'on se fasse karma, je vais pas vous mentir. Bon, ouais, on a... 13. Calme-toi, Michel. Bon, alors du coup, maintenant, faut juste qu'on trouve soit un triceratops, peut-être, même si ça m'a l'air un petit peu fort. Soit... Non, triceratops. Ouais, peut-être. T'es qui, toi? Ouais, je veux pas te voir. Bon, évidemment, faut qu'on fasse gaffe au T-Rex, au Spino, etc. J'ai déjà croisé un raptor alpha ici. Bah, dégage, le petit compi, là. Non, toi, je t'aime pas. What? Oh, ils l'ont endormi! Vite, fais gaffe, ils l'ont endormi. Top. Gaze. Oh non! Mais eux! Bougez de là! Oh, mais qu'est-ce qu'ils font là? Mais quoi? Mais ils sont 5! Putain, on est foncé. Oh là là, mais qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qui se passe? Mais what? Vite, t'as pas l'épée. T'inquiète. Vite, petit beurre, il a mal. Fais gaffe, attends, mon raptor. T'inquiète, il va bien. Oh, vas-y, Cookie. Oh! Petit beurre, il a plus d'air. Attends. Calme-toi, Cookie. Non, reviens. Arrête de tout manger, arrête. On reprend après? Il est mort. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce qu'on a pas de chance? Alors, non, mais par contre, il faut qu'on réexplique l'enchaînement. Mais c'est pas possible, il y a encore des choses qui nous tapent. C'était un piranha. Oh, mais c'est dingue, mais j'ai un os cassé. Alors, que je résume ce qui vient de se passer. Déjà, on a commencé avec deux dilos, on était contents. Ensuite, on a parlé de raptors, il y a deux raptors qui sont arrivés. Ensuite, il y a une meute de 5 dilophosaures qui sont arrivés. Non, il y en avait 10, ils étaient... Non, mais il y en avait un nombre incalculable. Et ensuite, déjà, il y a Petit Beurre qui était là, il y a Petit Beurre qui était par terre en train de saigner à mort. Il va mourir et tout. Il y avait des moustiques et tout, c'était n'importe quoi. Je la sens mal, cette chasse, mais bon, toujours vivant, comme on dit. Attends, pardon? Il y a réellement un Carnot? Flèche tranquillisante. On fonce dessus. Non. Il a dormi. Oui. Ah non, il est mort. Oh. Bon, c'est bien aussi, tu me diras. Mais qu'est-ce qu'il fait là? Mais pourquoi est-ce qu'on a jamais de chance? Non mais. Mais pourquoi? Alors. Mais pourquoi tu l'as bouffé, toi? J'allais l'endormir. Elle est pas gentille, Cookie. Oh mais je lui ai mis une flèche dans la tête, oh non, la pauvre. Ah bah c'est au moins ça fait un bien. Non mais c'est n'importe où, mais juste laissez-nous un petit peu tranquille, laissez juste au moins Petit Beurre revivre s'il vous plaît. C'est n'importe quoi cet épisode, mais il est génial. Bon, alors Petit Beurre est pas encore tout à fait rétabli, mais bientôt. Donc, en gros, ce qui se passe... Oh, il m'a vu. Je touche le sarco. J'arrive, tire des flèches. Ouais. Recule. T'inquiète, par toi. Normalement, c'est tranquillisant. Donc, du coup, on va peut-être t'aimer un sarco. Il dort ? Si on peut.
Déjà oui, déjà. Et bah nickel. Oh la molosse. Ah ouais, ma mère, c'était très cool en vrai. Bon alors du coup, le petit pépère, c'est un mâle. Vas-y, on va lui mettre un on petit peu de viande. On a pas de narco par contre. Bon, on lui mettra des flèches en vrai. Bah non, en vrai, tu sais quoi, au pire, tu peux carrément cueillir comme ça. Tu peux carrément cueillir dans les plantes. Bah écoute, pendant que Petit Beurre est en train de se réveiller, bah, on va essayer de timer. On vous reprend si c'est bon ou s'il y a de l'action, parce que je sens que ça risque d'arriver. Mmh. Allez, à plus. Attends, pardon, quoi? Tu viens de voir un Terry? Il est là. Mais pourquoi? Mais laissez-nous tranquille un petit avec peu. Avec un peu de chance, il va partir par là-bas. T'as gaspillé une flèche, même. Oui, bah c'est pas très grave. Si, c'est très grave. Tu pollues la planète, espèce de ville gourcandin. Bon, allez, s'il te plaît, faites qu'il vient pas sur nous. Bon, au pire, tu sais quoi, on prend nos épées, mais. Mais bon. On va dire que. Pas quoi face à un Terry. Ah. On va essayer que ça se passe bien. Beurre est réveillé. Bon, alors, du coup, c'est bon, là, petit Beurre est réveillé. Alors, il y a un Terry à côté, et le plan, c'est. Alors. Si le Terry est tout prêt, on prend les raptors et on dégage. C'est tout. On prend le sarco dedans. On dit au revoir au sarco, hein, tu, voilà. Et puis on se barre, on se taille, parce que le Terry c'est vraiment le dino qui nous a causé le plus de mal dans cette série. Avec les raptors aussi, mais bon. Bon alors du coup, il est en train de s'apprivoiser, là, tranquillement, pépouze. Normalement, ça devrait aller avec le Terry, on prie, mais bon. Je pense qu'on va y arriver, et puis on vous reprend quand c'est bon. Bon alors, là on est en face de monsieur Sarko, qui d'ailleurs va s'appeler Philippe, on a choisi pendant le cut. D'ailleurs il s'est passé plein de choses en vrai, hein. il y a eu des Terry qui étaient devant, des Raptors aussi qui étaient devant. Il y a un beacon bleu là devant, même si je crois que vous le voyez pas très bien, c'est pas si grave. Donc du coup là il a 98%, vraiment les barres sont juste incroyables. Et du coup je pense qu'on va lui mettre la selle vu qu'on l'a apprise. Donc on va faire un petit cut pendant qu'on la craft. Et puis, bah, du coup, je pense que Monsieur Philippe va soit passer par la mer, soit passer par le bateau. On va bien voir ce que son sort lui réserve. Normalement, il est vraiment apprivoisé dans pas longtemps. Il faut juste qu'il mange encore une dernière fois. Il faut que je regarde s'il a encore de la bouffe. Ouais, il a bien de la bouffe. Du coup, il a des narcos, il a de la viande pourrie, mais bon, ça, on s'en fout. Il y a de la fresh meat. Allez, normalement, Philippe est bientôt prêt pour sa nouvelle famille, sa nouvelle vie. Ah, attends, il faut juste que je me rapproche un tout petit peu. Je veux voir si jamais... Oh yes. Bon, Philippe. Non. Allez, Philippe. Non, j'avance. Voilà. Monsieur Philippe, rejoins l'équipe. C'est bon, tu l'as marqué. Là. Philippe. Voilà. Et voilà. Ce cher Philippe, maintenant, il va nous suivre. Et puis, bah écoute, on va rentrer à la maison, mon cher Philippe. Et puis, bah, s'il y a quelque chose d'intéressant sur le voyage, on vous reprend. Ah non, mais le trajet, c'est les dents de la mer. Regarde le sarco, comment il va vite. Avec, mais si on fonce... Mais il nous suit, c'est... Mais il va tellement vite. Oh, trop bien. Oh, quand on aura la selle, ce sera trop cool. Ouais, allez, on rentre à la maison. Quand t'as combien, tu vas dans l'eau? Ouais, alors du coup, on disait... Quand t'as combien, tu vas dans l'eau? Vas-y, quand t'as deux. Oh, y'a mes calotons. On va pas dans l'eau. Vas-y, sprint. Du coup, on a dit sprint, qu'on... Philippe. Qu'est-ce que ça va? Philippe, il le trace. Philippe, c'est... Il m'a fait trop peur. Moi aussi. Non, mais genre, ça partait d'un petit délire, genre... vas-y, quand t'as combien, tu vas dans l'eau. Et là, après, on se retrouve avec un mégalodon. Mais c'est quoi cette aventure, les gens? Mais d'un côté, c'est trop bien. Bon, hein. Philippe. Philippe. Ah, mais il est juste en bas. Juste qu'on voit pas le nom. Attends, vas-y, regarde-le. Regarde-le dans l'eau. Qu'il est débile, ce Philippe. Mais qu'est-ce qu'on l'aime. Allez, on rentre. Bon, alors, du coup, c'est bon. Je pense qu'on va finir l'épisode. On fera la selle du sarco dans l'épisode 16. Et puis, on se finit là-dessus. Au revoir.